de la paroisse, mais dans laquelle nous incluons une action de grâce pour toute la vie de Papa Massou et Christophe. Oui, frères et sœurs, eux ont déjà cette grâce d'une miséricorde définitive qui les font chanter la gloire de Dieu. Et nous, nous nous confions encore à sa miséricorde. Laissons-nous faire par le Seigneur, laissons-nous aimer. À la vie éternelle, avec tous ceux qui sont dans le ciel que nous venons de nommer, avec tous ceux qui chantent la gloire de Dieu sur la terre. Ciel et terre sont unis par le chant de la gloire de Dieu. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis,
Il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie s'éleva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse. Parole du Seigneur. Changer en soi, déjà, c'est difficile. On peut aussi se décourager de devoir changer en soi ce qui doit l'être. Saint Paul dit,
Vous devez enlever de votre cœur amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte. Tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Et ce sont les persécutions à l'intérieur de nous. Il y en a comme Élie à l'extérieur. De la jalousie, tout ce que vous voulez. Et on pourrait aussi être découragé comme Élie en disant, « Mais Seigneur, je sais que tu m'appelles à éliminer tout ça, mais... » Non, Seigneur, c'est trop dur. Je n'y arriverai pas. Parce que l'homme est mortel, vous êtes mortel, je le suis. Tous ceux pour qui nous prions étaient mortels et la mort les a emportés. Et pourtant, nous prions Jésus pour eux. Et pourtant, le moment où ils sont partis, nous avons crié vers Jésus. Et nous avons bien fait. Si nous le croyons vraiment, Jésus, il est descendu du ciel. Il est descendu du ciel. Il est venu du Père. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Proclamons notre foi. Pouvons-nous lever ? Mais que ce ne soit pas des mots, mais ce qui vient vraiment de notre âme la plus profonde. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte, parce que c'est toi, mon Dieu, qui y es maintenant. Et nous le faisons pour te rendre grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs dauphins, pour Papa Massoud et Christophe, Papa Nicodème, Maman Elisabeth, Maman Sophie, Maman Félicité, Tante Nathalie et Maï Sanga. Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. C'est Dieu que nous allons recevoir, mes frères et sœurs, le Dieu que cherchent les hommes. Nous avons cette immense grâce de savoir qu'il se fait tout petit dans ce pain. Parce que le Père a bien voulu nous le révéler. En recevant ce pain de la vie, acceptons nos guérisons. Acceptons de recevoir son amour plus fort que tout, que le mal et que la mort. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Je vous remercie d'être venus tous pour votre générosité de partager ensemble avec nous ces peines, moments de difficulté. On est toujours ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde aussi beaucoup de temps, beaucoup de patience
beaucoup de paix, de la joie dans vos familles, et que vous rentrez aussi à la maison, que vous amenez le message que nous avons reçu dans l'homélie du Père Marc qui nous demande de transformer notre vie comme il faut. Un grand merci à Père Marc pour la célébration. Un grand merci à M. l'abbé Gilbert qui a accompagné aussi la messe. Un grand merci à vous tous. Merci parce que Dieu a montré cette bonne volonté à travers l'acte que vous avez posé de venir malgré vos occupations. Vous avez abandonné pour venir nous accompagner à ce moment. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous dans la gloire et dans la paix du Seigneur. Amen. Merci. À la fin, nous avons quelque chose à partager avec tout le monde. Ne partez pas encore. Donc, à la cour. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui nous aime, nous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, à la sortie et à la collecte. Merci pour votre générosité. L'Église en a bien besoin. Et allons tous dans la paix du Christ. Il est beau.